Hop tout le monde, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Bonus Suns. Et aujourd'hui, c'est encore une fois un start 20 000 euros. On enchaîne. J'ai beaucoup de chance en ce moment, donc je remets un peu d'argent en jeu, bien entendu. Je pense que vous avez compris. Et aussi, on a 19 bonus et je suis en break-even fois 105. C'est parti pour ce Bonus Suns. Vraiment, hier, je pense que tout le monde l'a vu dans la vidéo d'hier. Dans le bonus set qui s'appelle ce Bonus Hunt légendaire. J'ai eu une chance incroyable. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. C'est vraiment un de mes meilleurs Bonus Hunt jamais règle jusqu'à présent. Et je pense que c'est une dingue à regarder. Donc n'hésitez pas. Je pense que vous allez kiffer. Et là, on est parti sur Fury of Odin. Ça, c'est un call qui a été fait dans les commentaires. Je pensais qu'il fallait la gamble. C'est pour ça que je la jouais jamais. Mais au final, non. C'est pas une machine à gamble, Fury of Odin. C'est plus une machine, bah. En fait, ça m'a fait penser à Power of Thor, parce que ça, c'est un peu le même design, c'est un peu pareil et tout. Et je me suis dit, ah non, mais faut la gamble, c'est là, mais non. Pas besoin de la gamble. Et est-ce que, comme d'habitude, on va se faire troller sur le premier bonus du Bonus Hunt, ou ça va payer pour une fois? Telle est la question, mesdames et messieurs. Telle est la question. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Ah, je crois que tant que ça connecte pas, c'est bien. Ah, ça connecte, dommage! Je pense que le but, c'est qu'il faut pas que ça connecte. Ok, mais je sais pas pourquoi, mais genre en mode, si ça connecte pas, ça augmente les wise, etc. Ok, pour l'instant on est plutôt bien, on a un bonus qui est pas dégueulasse en vrai. Alors j'ai que des bonus en moyenne, enfin à 10€, voilà. Que des bonus à 10€, bonus à 20 000€, voilà. En plus j'ai un très bon break-even x 105. Je suis encore très très bien. Donc j'espère que ça va péter, mesdames et messieurs. Allez s'il te plaît, est-ce qu'on pourra avoir un x 100 pour ce premier bonus? Pour une fois avoir un bonus de qualité? Non? Pour une fois bonus de bonus, et non. Ok les amis, tranquillement, ok. Pas de stress. 513€, on part directement sur un x51. Ok, c'est pas dégueulasse. Prochain bonus. Welcome to J-Well Rush. Donc c'est fruit de partie, mais avec un autre design pour ceux qui connaissent pas. Donc je pense que vous allez kiffer pour les personnes qui kiffent fruit de partie. Et les amis, n'oubliez pas, je suis sur Start Casino, le meilleur casino, dépôt en carte bancaire et retrait virement bancaire en une heure. Et en plus de ça, tous les lundis, ils remboursent 10% de vos pertes. N'hésitez pas. Premier lien en description. Et aussi, mesdames et messieurs, 25€ par jour à gagner. Premier lien en description. Ok, c'est parti. Excusez-moi, en fait j'étais en train de parler en même temps. J'ai été hypnotisé par le hit avec les rouges. J'ai cru que j'avais pris une dinguerie, mais j'ai pris pas mal hein. Tu as 600€, c'est pas mal. Mais c'est vrai que j'étais un peu déconnecté parce que je me suis dit, wow, je pensais que j'allais prendre 3 000€. Mais non, c'est déjà bien, 600€ on prend. On est en x60, quand il arrive c'est pas dégueulasse. Et ouais, j'ai pas fait, je ferai de partie, mais j'ai fait, j'ai avoir le rush, ça change. Je me dis que pour une fois ça peut être voilà, c'est le même principe, mais comme c'est pas le même design, c'est pas la même approche que j'ai en fait de la machine. Fruit Party, je la connais par cœur. Alors que celle-là, je me dis, mais non, en fait, je la connais pas par cœur parce que bah, c'est pas Fruit Party. Merci, si, en fait, je la connais par cœur. C'est juste que c'est là. C'est avec, mesdames et messieurs, des diamants. Ok, allez, s'il te plaît. Une dinguerie. Un hit qui nous permet d'avoir un fois 100. S'il te plaît. Non, les rouges connectent pas. Les rouges connectent pas. Dommage, ça pouvait être tellement énorme. Ok, ça sort 62€. Les rouges. Nice. Voilà. Ça, c'est du bonus sur J-Well Rush, mesdames et messieurs. Directement, deuxième bonus de ce Bonus Hunt qui nous montre la couleur. Incroyable. 2813€. Incroyable. Fois 281. Magnifique. Magnifique. Toujours le premier bonus, il me troll. Et après, les autres, ça commence à s'améliorer, quoi. Ok, nice. Nice. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Y'a rien. Ok, Madame Wisdom of Athena. Je l'avais fait il y a quelques bonus challenge, là je la refais. J'avais envie de la refaire. Tranquillement. Et c'est parti. Est-ce qu'elle va me payer? Dernièrement, elle était pas mal en vrai de vrai. Les quelques fois que je l'avais fait, elle m'a bien payé. Surtout un bonus qui avait carré de fou. Attends, est-ce que. Ah, 10€ la mise, donc 1000€ le bonus. La valeur du bonus c'est à 1000€. Et bah, est-ce qu'elle va me payer? Ça c'est la vraie question. Parce que la dernière fois, je l'ai eu à 3€ de valeur de bonus. Et je préfère qu'elle me paye à 10€, bien sûr, que à 3. Vous avez bien compris ça. J'ai un peu, voilà, c'est un peu normal. Et puis j'espère que tout le monde va bien, que voilà, vous avez passé tranquillement une journée agréable. Moi, j'ai un peu le seum. Je peux pas vous mentir, mon ascenseur il est cassé depuis des semaines. Je suis un peu énervé contre mon propriétaire. Et en plus, le propriétaire de mon immeuble, il voulait pas changer l'ascenseur, mais là il va le faire normalement. Oh, laissez tomber, c'est une galère. Et je vous garantis que j'habite pas au deuxième étage. Sinon, je me plaindrais pas, la vérité. Mais j'habite très très haut, au 50e étage. Ok, bon. 14 x 5, c'est pas dégueulasse, on prend, mesdames et messieurs. Ok. Dommage. Allez, connecte-moi pour la fin. Et non. 121€, c'est pas le bonus de l'année. C'est dégueulasse. Mais on te refera, Madame Wisdom Fatena. Y a pas de souci.
Prochain bonus. Gate of Olympus 1000. On m'a dit quoi? On m'a dit, ouais, Vita, joue pas la normale, joue la 1000. On en a marre de la normale, c'est bon, on la connaît par cœur maintenant. Donc maintenant, voilà. Je ferai souvent la 1000. C'est vrai que la 1000 a plus de potentiel. Au final, c'est la même que Gate, sauf qu'elle nous donne la maximum est beaucoup plus grosse. Donc il y a plus de potentiel. Mais c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien retourner aux sources, tu vois. Même si la 1000 et la normale, c'est la même, sauf que l'autre est plus volatile. Mais il y en a qui aiment quand même la 1000. La normale. Mais je vais continuer. La 1000, c'est vrai que je préfère aussi. Bon. Qu'est-ce qui se passe là? C'est Deathspin sur Deathspin. On n'a pas le droit d'avoir de connexion de multi. C'est une horreur. C'est une horreur, mesdames et messieurs. Qu'est pas ça? Non, vas-y, s'il te plaît, connecte-toi. Voilà, connecte. Connecte, tu nous mets au moins un x2. x5, ça me va. Et voilà, maintenant, je peux plus m'énerver. Je me dis que t'as au moins fait l'effort de me donner un multiplicateur. Attends, est-ce que tu veux faire plus? Ça, c'est une vraie question. Oh, les bleus? Non, dommage. Oh là là, on peut lui ça 1000 euros, je veux 52 euros. Aïe. Les rouges? Et non, pas encore. Dernier spin, s'il te plaît, un effort. Ouh là là, 75 euros, ok. Tu m'as mis un beau bonus sur J-Wall Rush, mais là, t'es en train de me dette les autres bonus. Il faut pas faire ça. Il faut pas. Faut continuer, faut keep going. To the moon. Attendez. Oh. Petit best game, je prends. Ouais. 226 euros, d'accord. Très très bon. Je prends. Ok. Attendez, hop là. C'est parti pour le prochain bonus. Dark Summoning, on me l'a demandé. Et elle est là. Et en plus, c'est pas le bonus normal. C'est le bounty. Ça fait plaisir. La dernière fois, je l'ai eu en bonus, mais elle m'a donné le bonus classique. Le bounty, bien entendu, coûte plus cher. Alors là, je l'ai eu aussi, je crois que je l'ai fait aussi en bonus hot, mais je l'ai eu aussi. Mais il m'avait pas payé. Ok, le but c'est d'avoir des boules. Et là, vous allez me dire, mais Vita, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Comment ça il parle? Qu'est-ce qu'il nous raconte avec ces boules là? C'est un peu bizarre qu'il dit comme ça, mais bon. Voilà, déjà ça commence bien, très très bon. Et là en fait, faut monter les boules jusqu'en haut, au portail là. À la sphère. Exemple, mais par contre faut les multi, voilà. Les deux multi, voilà. Là les deux multi, donc là j'ai x4 permanent. Et à chaque fois qu'une boule va dans le portail, et ben en fonction de la couleur de la boule, ça va me donner de l'argent multiplié. Je suis en x4. Bon, faut juste qu'une boule elle monte et vous allez comprendre direct quoi. Voilà, à chaque fois j'ai des connexions, j'élimine des symboles pour faire monter les boules. La dernière fois j'en avais plein, y a rien qu'à connecter, ça connecte en haut aussi hein. Oui. Est-ce que ça enlève beaucoup de symboles? Ah les valets, fallait enlever les valets. Les valets c'était énorme hein. Ok, elle remonte, ce qui est bien c'est qu'elle reste. Oh, ça va mettre un wild là, c'est bien ou pas? Ça change rien non plus là. Ah, celle-là elle monte aussi, c'est pas mal. Ok, ça envoie héros, allez j'ai 4 spins. Mais faut que les boules on le fasse monter en haut. Ok, nice ça hein. Non, ça change rien. Nice, y en a une qui monte au moins. Y en a une qui monte, regardez ce que ça va faire là. 100 euros x 4, magnifique, 400 euros. Ah, ça peut aller vite hein, ça peut aller très très vite. Mais voilà, je pense que vous avez compris le système. Allez, stop l'air de dead. On avait un beau setup là. On avait un magnifique setup. Ouh, nice. Oh là là, nice. Nice. Non, mais non, qu'est-ce que je raconte? Ça connecte les valets, mais j'ai rien qui débloque les valets. On s'en fout des valets en fait. Tu es bloqué? J'ai rien là. Non, elle va me troller. Elle me troll. Dommage. Aïe, il y avait un potentiel énorme. Je la referai, j'aime beaucoup. 869 euros, on est sur un fois 87. Oh, c'est pas dégueulasse. Bah pour un bounty, après, hein, j'aurais pu prendre plus. Retour aux sources un peu pendant ce donation. Vous allez voir qu'il y a plein de vieilles machines que j'ai fait pour ceux qui connaissent depuis longtemps les machines à sous. Vous allez voir, j'ai du Legacy of Dead, j'ai du Mysterious, c'est plein d'anciennes machines. En plus, on m'a demandé de les faire. Donc. Et il y a un bonus hunt, je l'avais dit, je maintiens ce que j'ai dit. Je ferai un bonus hunt spécial que les anciennes machines. Donc voilà. Ok, les gens, on commence direct avec presque un full screen de dame. Voilà. Bien sûr, bonus à 1000 euros. Hein. Et en fait, Legacy of Dead, c'est une boucle, mais à chaque fois qu'il y a Retrigger, on gagne un symbole et des free spins. Donc on peut accumuler plusieurs symboles. Et vous devez bien que si on a tous les symboles, c'est fini. Hein. Allez, mets-nous un Retrigger. Le plus important de cette machine, c'est le Retrigger. C'est essentiel, le Retrigger. Essentiel. T'aurais pu mettre le full screen dans tous les cas, ça aurait été un beau billet. Bah déjà, c'est bien ça. C'est bien, on prend. C'est bien. Très très bien. Très très bon, mesdames et messieurs. Allez, reste des spins. Allez. Oh, ok. Elle est chaude quand même, hein. Elle m'en met, hein. Elle me connecte des dames, hein.
Je suis à chaque fois à ça de faire full screen, hein. Nice, full screen, et voilà. Ça, c'est un billet. Ça change entre le full screen et le normal. C'est beaucoup, ça n'a rien à voir. La différence est énorme. Ok, nice, c'est bien. Allez, retrigger maintenant, retrigger. Nice, encore, encore. Bah, si elle veut pas retrigger, en vrai, elle va donner un bon bonus, quoi qu'il arrive. Elle a fait du bon taf avec les dames. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimez les machines old school comme ça, j'en referai, les amis. Je vous le promets. Ok, nice. Mesdames et messieurs, Legacy of Dead, 1735 euros. Très, très beau bonus. On est sur un fois 174. Magnifique. Magnifico. Pas de back-to-back, dommage. La Mysterious. Très vieille machine. Ça, c'est une vieille machine. Hein. Là, vous allez voir, il y aura plein de vieilles machines. Mais je pense que vous allez kiffer. La vérité. Puis ceux qui connaissent pas, ça va vous faire découvrir des machines, quoi. Alors là, il y en a deux bonus. Moi, je vais prendre le plus volatile. Le plus volatile, c'est celui-là. Celui à droite. Pour ceux qui connaissent pas le principe même de cette machine, c'est très simple. Il faut des whales. D'accord. J'ai vraiment. Voilà, j'ai des wilds, très très bon. Et en fait, à chaque fois qu'un wild se remet, là ils vont se déplacer, mais en fait, ils sont plus activés. Mais si un wild se remet, ça les réanime et après ça connecte. Voilà. Faut juste avoir un wild pour. Voilà, ça les réanime. Hop là, et là ils peuvent se connecter. Vous avez. Voilà, je pense que vous avez. En fait, c'est comme une autre fiesta, sauf que ça réanime les wilds et tout. C'est un peu. C'est spécial, mais j'aime beaucoup la machine. Elle m'a déjà payé fort, hein, mais il y a longtemps. Je pense que la dernière fois que je l'ai joué vraiment tous les jours. Ah, c'est bien ça, hein, ça c'est un billet, hein. Ah, c'est un billet, ok. On est en x50, quoi qu'il arrive, c'est pas mauvais. C'est pas un dead bonus. On peut avoir plus. Dommage. Allez, dernier speed. Je l'ai joué vraiment à l'ancienne, à l'époque. Je l'ai joué il y a 2 ans, cette machine. Nice. Ça, c'est un billet. Ça, c'est du bonus. Et voilà, 1 780 euros, mesdames et messieurs. Magnifique. Mysterious qui vous montre son potentiel. Ah ouais, c'est du one shot, c'est un x228. Magnifico. Oh, ça me présume encore un bon bonus, ça. J'aime beaucoup. Ok, prochain bonus. Madame Street Racer, dédicace à mon frérot, le modérateur qui est tous les soirs sur mes lives, Philo Phoenix. Lien en description. Vous ouvrez la description, vous allez sur mon. Voilà, sur mes streams. Si vous voulez venir me voir, deslive.tv/tapaypay, c'est le petit cœur jaune en description. Ça change des vidéos YouTube, donc venez me voir. Et puis on va partir directement sur les bonus vapeur. Et Philo Phoenix, qui adore cette machine, donc c'est pour ça qu'à chaque fois je dédicace. Voilà. Et si vous venez me voir, n'hésitez pas à me dire coucou, Vita, j'ai un des vidéos, ça fait plaisir. Ok. Les vidéos bonus. Allez, il nous faut des nitros pour monter. Pour monter en setup. 3 nitros, on gagne des speeds et on améliore le setup. On remplace les symboles. C'est bien d'avoir de l'avance aussi sur cette machine. C'est important. Et les amis, n'oubliez pas, je suis sur un centre casino, le meilleur casino, dépôt en carte bancaire et retrait bancaire en 1 heure. En plus de ça, il rembourse 10% de vos pertes. Tous les lundis, premier lien en description. Ok, plus 3 spins, c'est bien. C'est très très bien ça. J'aime beaucoup. Est-ce que maintenant on peut avoir une dinguerie? Nitro. Nice, je prends un. Allez, tant que ça s'améliore pas, ça sert à rien en vrai. Hein. Je vous le dis, les connexions un peu. Les connexions de base comme ça sur cette machine, elles sont un peu nulles. Enfin, ça c'est bien en vrai, ça c'est bien, ça c'est un billet, ça c'est un billet. Oui, 267 euros. Et en plus, j'ai fait 2 spins pour avoir ce bonus. J'ai oublié de vous le dire. Je voulais vous le dire, je viens de m'en souvenir. 2 spins, bam, j'ai le bonus. Allez, un nitro pour le dernier spin quand même, on y croit. Et non, 302 euros. Ok, x30. x30 sur madame. Street Racer. Back to back. Madame Drago, G-Well of Fortune. Je vous ai dit, hein, là, on est que sur des vieilles machines. Hein. Et celle-là, je suis sûr qu'il y en a plein qui connaissent. Mais vous l'avez carrément oublié son existence. Moi, je la connaissais, mais j'avais carrément oublié qu'elle existait. Hein. Alors que si je m'en souviendrai, tu vois, à chaque fois, je m'en souvenais, et bah, je la jouerai, parce que j'aime beaucoup. Ok, donc là, ce qui se passe, c'est qu'on doit créer un setup avant que ça spin. D'accord ? On a des symboles mystères, on peut avoir des multiplicateurs, des spin des plus de spin et des wilds. Le plus important aussi, c'est les wilds. C'est très important, les wilds. Très, très important. Ok, nice. 4 wilds, c'est énorme. 3 déjà, c'est bien. C'est pas mauvais. Mais le multi, il est pas ouf. Hein. Je vous dis, j'ai beaucoup de spin, pas mal de spin. Mais là, ça peut s'arrêter à tout moment. Je connais la machine. Allez, s'il te plaît, mets-moi encore un multi, au moins du multi, s'il te plaît, du multi, s'il te plaît. Un petit multiplicateur. Ah, le problème, c'est le x2. Ah, le x2, il m'inquiète. Ok. Alors, symbole mystère ajouté, on en ajoute 20, et on a 3 walls permanents. Très beau placement, hein. Oh, les walls, ils ont un placement magnifique. T'es obligé de connecter à tous les spins. Ça, c'est très beau. Ok, nice, je prends. Allez, s'il te plaît, finis en holdaway. Oh, ok, holdaway, quoi qu'il arrive. Les dames, ouais. Le problème, c'est le multi est tellement gâché. Après, si on a un gros symbole en holdaway, ça va payer, hein. Nice, ça paye, hein. Ça c'est un billet.
Petit billet. 326 euros, merci. J'ai oublié les animations comme ça dessus, elle est trop stylée. Oh, ça a rajouté un wild, c'est vrai que ça peut rajouter des wilds. Ah non, je sais pas perdre, non, ok. Oh, dommage, mais c'est un billet, c'est un bon bonus. Combien? 1412 euros, 1712 euros sur Drago. Oh, fortune, enfin j'ai Wall of Fortune. Ok, x171, ok. On est déjà à 10 000 euros de récupérer sur les 20 000 que j'ai investi. Et enchaîne directement avec Pirate Gold Deluxe. Très vieille machine ça aussi, hein. Ouais, on est dans le passé, hein. On est dans le passé dans ce bonus hunt, mais attention. Attention, parce que c'est des machines à sous qui sont très, très, très dangereuses. Elles peuvent payer. Ok. On a un collecteur, nice. Allez, s'il te plaît. Là, on recollecte tout. On recollecte pas l'autre sac là? Ah, lui, il se connecte pas entre eux. Je crois qu'il faudrait qu'on ait un sac rouge. Mais je sais plus ce que le sac rouge, il fait. Oh, sac rouge, ça fait quoi déjà? Un sac rouge, il collecte tout, c'est ça. Alors que le sac violet, il connecte que les jaunes. Il se connecte pas entre eux. Nice, ok. Allez, s'il te plaît. C'est quoi le coffre? Peut-être le coffre, il aspire tous les sacs. Je vois qu'il y a un coffre qui passe. Nice, ça c'est un billet encore. Ouais, qui prend euros. Allez, il faudra encore un sac rouge, là. Un sac rouge. Ou c'est un sac qui peut remultiplier tout, je crois que c'est ça. La dinguerie. Et par contre, s'il y a un full screen, je sais pas ce qui se passe. J'ai jamais vu un full screen cette machine. Full screen de sac, je connais pas du tout. Nice, alors sac rouge, magnifique ça. Nice. Ok. Il nous manque deux cases. Deux cases pour une dinguerie. Allez. Il nous manque un sac, s'il te plaît. Nice. Ouh, est-ce qu'il va avoir un full screen? Peut-être. Peut-être le full screen, mesdames et messieurs. Non, non, allez, dernière chance. Et non. Ok, ok, ok. Bah, la vérité, ça va. Vraiment, je suis bien agréablement surpris. Je vais pas prendre une dinguerie, mais c'est au moins 1x50. Donc ça me va, vous me connaissez. Ok. 570 euros. C'est tranquillou, pipou. Ok. x57, ok. Madame Rise of Merlin. C'est comme une Legacy of Dead qu'on a fait juste avant. On a pris presque le full screen de dame. Sauf que là, la différence, c'est que c'est dans le thème des Merlins, les hiboux, etc. Mais c'est absolument le même bonus. C'est vraiment pareil. C'est juste une autre apparence. Et on commence avec les As. Donc comme je vous l'ai dit, vous l'avez pas vu dans le potentiel avant, dans la machine d'avant, mais il faudrait des retriggers importants. Ok, les As. C'est pas full screen, mais ça reste un beau billet. Donc dites-vous que la 390 pièces, ça correspond à 390 euros. Ouais. Là, j'ai 390 euros. Donc ça, la conversion, elle est pas compliquée, quoi. Il y en a qui doivent se dire, mais c'est quoi ça, Vita, les pièces? Qu'est-ce que tu es en train de nous baragouiner avec tes pièces, là? 1900 euros, je peux pas mettre en euros. De toute façon, à la fin du bonus, il nous indique combien on a gagné, c'est normal. Hein. Et là, il a envie de rien faire, là. Elle s'endort, la machine. Yes, retrigger. Yes, dernier spin. Oh, j'ai cru que c'était fini. Ok, donc là, on va récupérer 8 spins et un symbole. Un symbole mystère, en plus de celui qu'on a. Et c'est les hiboux. C'est les hiboux. Donc là, on recommence comme si on était dans le début du bonus, sauf qu'on a deux symboles. Et imaginez, ça retrigger. C'est une dinguerie, hein. Ça peut être un accident. Ok, 3 hiboux. 3 hiboux, ça doit payer, hein. Ça doit payer, 3 hiboux. Ah ouais, ça paye. Imaginez un autre retrigger. Quelle dinguerie que ça serait. Ce serait une dinguerie. Les As, dommage. Ok. S'il te plaît, allez. Si tu la mets, si tu baites, c'est que tu veux la mettre. Nice. Nice, retrigger, on récupère encore 8 spins et un nouveau symbole. Oh là là. Et ben voilà, j'ai une bonne idée pour l'instant d'avoir joué les anciennes machines. Ça peut péter. Ouh là là, le dragon blanc. Je n'ai jamais vu que je connais Dragon Blanc. Je sais même pas s'il existe. Ah, s'il existe en vrai, mais... T'as capté, ok. Je suis plutôt pas mal, hein. Ce bonus peut payer énormément, hein. Surtout si c'est encore un retrigger. Hein. Jack, là, il a un gros potentiel, parce qu'on a quand même, okay, 3 symboles, hein, qu'on peut connecter à chaque fois. Ok, les As, très belle connexion. Déjà x100 le bonus, on est déjà à 1000 euros, plus de 1000 euros. 1155 euros pour être passé. Allez, fais-moi une connexion de Dragon Blanc. Dragon Blanc, ça fait penser à Yu-Gi-Oh, pour ceux qui connaissent. Dragon bien aux yeux bleus. Et voilà, le dragon, c'est minimum 2 symboles. Parce que c'est un gros premium. Allez, s'il te plaît. Dommage. Allez.
Katra, super, nice. Continue comme ça, Katra, ça paye. Hein. Ça paye au moins, je pense, 400-500 balles. Hein. Ça fait 1x50 à chaque fois. Hein. J'abuse peut-être un peu, peut-être 300 balles. Ah, il veut pas mettre ses 3 dragons. Hein. Mais moi, 5 dragons blancs, c'est terminé. Allez, motive-toi. Oh là là, elle veut pas. Please. Please. J'ai 3 spins pour essayer d'avoir encore un Retrigger. Des hiboux. Dans tous les cas, c'est un bon bonus. Hein. Très heureux de ce bonus, quoi qu'il arrive. Hein. Allez, dernier spin, s'il te plaît. 3 boules de cristal. Et non. Mais on finit avec un très bon bonus. Mesdames et messieurs, magnifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh, j'avais pas vu, j'avais 3 dragons bleus. Blanc, là. Excusez-moi. Oh, c'est un billet, ça. C'est un billet. Nice. 2000 euros. Et non. Normalement, c'est 1975 euros, si je me trompe pas. On va regarder ça en bas. Dans gain, ouais, 1975 euros. On est sur un fois 198. Magnifique. Rise of Merlin qui comprend tout. Legacy of Dead aussi. Petit applaudissement carrément pour elle. Les anciennes machines, elles méritent. Elles méritent. C'est parti pour le prochain bonus. Madame Drit Tad Tal Gold. Bah ça, c'est encore. Ça aussi, je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de la jouer. La vérité. Vous allez voir, regardez comment elle arrive. Là, vous dites, il y a un bug. Mais c'est quoi? Pourquoi c'est un écran noir? Mais regardez, ça fait ça. C'est incroyable ou pas? Ok. Mesdames et messieurs, c'est parti. Mais elle est vraiment bizarre. Hein. Ils font des transitions. Ok, celle-là. Alors, j'ai mis la double chance hein, quand je l'ai spiné. Donc, j'ai spiné à 10 balles, j'ai spiné à 12,50. Alors, celle-là, elle est spéciale. En mode, ça peut nous mettre des. C'est très bizarre comme machine. C'est une ancienne aussi, celle-là. Hein. Ok, combien ça? En fait, il faut que ça me pioche là. Et voilà. Oh, 2000 euros la pépite! 2000 euros, mesdames et messieurs! Ah oui, j'avais oublié! C'est ça, il peut piocher des pépites. Et à tout moment, ça peut être des sales pépites. Hein. En fait, c'est un peu surprise, quoi. C'est les mines, quoi. 2000 euros la pépite, incroyable, fois 200 comme ça. Sur un malentendu. Magnifique. Magnifico. Allez, last one, une belle, une 2000 encore. 150 euros, c'est bien. Magnifique bonus, incroyable. Il était rapide, efficace et précis. x240 sur Drill Tad Gold. Ok, prochain bonus. À la Wanted. Vous la connaissez, je la fais à tous les bonus Suns. Pas besoin de la présenter. En plus, bonus que vous aimez le plus, le duel, la plupart d'entre vous. C'est pas le bonus train, j'ai eu de la chance cette fois-ci. Parce que là, ouais, souvent elle me met le bonus train. Mais cette fois-ci, ça sera le bonus duel. Et en plus, c'est un bonus qui vaut 2000 euros, vous le savez. À la dernière fois, dans le dernier bonus Suns, tu m'as carré de malade. Tu m'as donné énormément d'argent, faut vraiment prendre. Oui, je prends. Oui, je prends. Oui, 600 euros, je prends. Oui, effectivement. 600 euros, je prends. C'est magnifique. Alors là, on connecte. Lui, il va se déployer, mais on connecte pas. On a OK, 50 euros, on a les sacs. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, fais un truc. Fais un truc, s'il te plaît. Allez. 5 VS. Au moins 1000 euros. 2 VS. Une belle collection. Allez, s'il te plaît, fais un truc, n'importe quoi. Ouais. Ouais, je lui dis fais n'importe quoi en vrai. Elle a fait un peu. Hein. Elle a fait les bouteilles. Ok, 105 euros. Ok, 775 euros. C'est un bonus correct. x78. Ok, magnifique. Back to back. Et non. Madame Roten. Est-ce que j'ai le bounty ou le bonus normal? La vérité, les amis. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu de la chance. Encore une fois, bonus bounty. La dernière fois, une fois, j'ai eu le bonus. En vrai, à chaque quand j'ai, bah, même si j'ai le bonus normal, je le prends hein, vu que je farme le bonus Suns. Mais c'est vrai que quand tu farmes et que t'as le bonus, t'as le bounty, tu te dis ah, yes. Enfin, allez, s'il te plaît. À chaque fois, tu les as déjà payés, mais t'as jamais vraiment payé. Genre, t'as jamais montré ton vrai potentiel. Allez, il nous faut des switches là. Please, des switches. Oh non, ça va pas être un net bonus quand même. Waouh. Waouh. Oh, je suis choqué. Elle m'a jamais fait ça. Je savais même pas que c'était possible. Oh, 26 euros le gâchis. x3. Bon. On va pas s'éterniser sur ce bonus. Il m'a fait un peu du mal. Je vais aller sur le prochain bonus direct. Madame Sweet Bonanza 1000. Ouh là 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 là. Tain, vraiment, je misais pas mal sur Roten, je veux pas vous mentir. C'est parce que je sais que c'est le bounty, voilà, c'est un beau bounty, il peut payer. En plus, quand Roten elle paye, c'est une dinguerie. Et là, il va pas payer, donc je suis un peu choqué, je suis un peu sous le choc. Mais il me manque 4000 euros, j'ai encore pas mal de bonus, je pense que ça peut péter. Allez, suivez-moi, Nazamil, s'il te plaît.
Pour une fois, paye-nous, mets-moi bien. S'il te plaît, pour une fois. T'as pas, en ce moment, elle a pas trop envie de me payer celle-là. 150€, ok. Donc s'il te plaît, fais l'effort. Roten, elle dit, bah, je fais mon moral. Remonte-le-moi un peu. En vrai, non, ça va, j'ai pas le moral à achever. Je suis très très bien en ce moment, genre, en plus, je run super good. Je vais pas à me plaindre, je suis très très bien. Et bon, tu connais, hein. Tu connais. Personne n'est content de ne pas être payé par un bounty. Un super bonus. 561 x 50, ok, c'est correct. X 56. Ok. Madame Starlight Princesse 1000. Bon. Starlight Princesse, qu'est-ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui? Tu veux nous faire la classique ou la spéciale? Tu veux pas nous payer ou tu veux nous payer? Premier spin. Ok, knife, fois 2 directement, j'aime beaucoup. Quand ça commence direct avec une connexion, je suis déjà très heureux dans ma tête, je me dis ça va aller. C'est dans la tête, hein. C'est le mindset. Prochain. Dommage. Allez. Les jaunes, les verts. Les verts, nice. Encore. Oui, les jaunes. Dommage. On est sur un x6, ok, pas mal. Allez, s'il te plaît. Les verts. Oh, je sais pas pourquoi, je sentais des... Dans ma tête, j'appelais des cœurs, plein de cœurs qui tombaient. Il y en avait beaucoup, il y en avait pas du tout. Ok, allez. Alors on a un potentiel là, hein. Je voulais appeler, il y avait plein de trucs que j'avais envie d'appeler dans mon cerveau. Mais voilà. x17 quand même, beau multi là. J'ai un beau multi, hein. Il reste 7 spins. Je suis pas mal, s'il te plaît, troll pas. Monte ton potentiel. Allez, monte-nous ton potentiel, Starlight Princess 1000. Les verts. Lève au pire, tu me donnes un multi. Si t'as pas envie de me payer, mets-moi au moins un petit multi. Non. Ok. Allez, s'il te plaît, lève. Fais l'effort. Ma sœur, envoie-moi le fric. Lève, s'il te plaît, lève. Lève, ça va être le dernier. Et voilà, fais la spéciale. C'était énorme, dommage. C'était monstrueux, ciel levé. Je prenais un billet énorme. Bon, pas grave. On va pas s'attarder, on va pas pleurer. Prochain bonus. C'est parti. Pour la Big Bass du jour, Big Bass Secret of the Golden Lake. Et je vais aller directement sur la quatrième carte. Et non, je n'ai pas le bonus, parce que je peux avoir le méga bonus. C'est si on a... Je l'ai déjà eu en bonus. Je ne vais pas dire s'il m'a payé ou pas, parce que ça va vous spoiler si un jour vous voyez la vidéo. Mais voilà. Il y a une vidéo dans ma playlist bonus sur ma chaîne YouTube, où j'ai eu le méga bonus Big Bass. En plus, je crois que je l'avais eu à un bon prix. Allez, hein, c'est 10€ la mise, mais j'avais mis la double chance pour spin. Ok. Premier roi Arthur, il me reste 3 bonus pour récupérer 3000€. Est-ce qu'on va réussir à carry et récupérer les 20 000€ investis aujourd'hui? Telle est la question, c'est la surprise. La surprise du chef. Bon, j'ai pas l'impression que c'est Big Bass qui va me carry aujourd'hui. Hein, à part s'il y a un... Non, faudrait qu'il y ait deux Arthur maintenant. Ah, j'y ai cru, c'est ça le pire. Le pire, c'est que j'y ai cru. 294€. On est sur un x 29, c'est pas joli. Bah, tu vois ? Et non. Et on finit directement ce bonus hunt avec deux bounties. Eh oui, je vous spoil. Si Zeus, la prochaine, vous verrez bien. Donc, je me dis que potentiellement, je peux peut-être récupérer les 20 000€ que j'ai investis parce que j'ai deux derniers bonus qui sont énormes. C'est parti, mesdames et messieurs. Allez, collecte. Zeus, c'est comme une lombardie, sauf que c'est avec une autre apparence. Allez, c'est plus comme voilà. Nice, allez. Allez. On collecte. Non, dommage. Nice, c'est un peu oublié ça. Ça, c'est pas mauvais. 653€, ok, je prends. Allez, on continue de connecter, on s'endort pas. À chaque fois, tu vas troller sur des plus petites mises en plus. Donc, est-ce que tu peux me payer sur des grosses mises? Le RTP maintenant aujourd'hui ou quoi? Est-ce qu'on va avoir le RTP aujourd'hui? Telle est la question. Oh là là, si. Oh là là, si j'ai la main de Zeus, ça peut payer. J'ai tellement de setup, j'ai tellement. Oh, vraiment, si tu trolls, tu vas dégoûter tout le monde, hein. Tu vas mettre tout le monde à dos là si tu mets pas la main de Zeus, hein. Oh là, tu connectes tout le board là, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Allez, s'il te plaît, j'ai deux spins pour y croire. Deux spins pour croire à cette main. S'il te plaît. Yes, je l'ai. En plus, c'est presque full screen. C'est presque full screen, s'il te plaît. Il y a aucun collector. Oh l'horreur. Attendez, bah, par contre, attendez. x2 là. Oh, et là, x3. Ça va. Bon, ça peut être tellement plus. Mais 1561, c'est très honorable. 2236€. Magnifique. Magnifique. On est sur un x 224. Et il me manque 300€
pour récupérer les 20 000 euros que j'ai investis sur le bonus Sun. C'est parti pour le dernier bonus. Immortal Desire, le dernier bonus de ce bonus Sun. Et en plus, c'est le Bounty. À chaque fois, j'ai eu le bonus normal. Là, j'ai eu enfin le Bounty. Et n'oubliez pas, les amis, je suis sur Instant Casino, le meilleur casino. Dépôt en carte bancaire et retrait virement bancaire en une heure. Et en plus de ça, il rembourse 10% de vos pertes tous les lundis. Premier lien en description. Ok. Je vais pas porter l'œil. Mais je pense que. Enfin, j'espère que je vais récupérer les 20 000 euros. Les amis, si je récupère les 20 000 euros que j'ai investis, dans tous les cas, c'est une victoire. C'est une victoire, sachez-le. Pour moi. Allez, s'il te plaît. On est quand même sur un bounty, hein. À chaque fois, j'arrive pas à t'avoir, là. S'il te plaît. Il faut des dames. Oh non, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Qu'est-ce que ça fait, ça, déjà? Je m'en souviens plus. Oh, nice, ça foutra tout, hein. Super, hein. Ouh là là, j'avais oublié que ça existait, ça. Je récupère des free spins, là. Je récupère rien. Oh, il y avait... Oui, j'avais oublié qu'il... Oh, elle le met encore, hein. Attends, elle fait quoi, là? X5 tout! Ah non, x5, non, pardon. Ok, bah nice, et bah voilà. Un bonus est encore en profit, mesdames et messieurs, aujourd'hui! Magnifique! 1310 euros! Magnifico, magnifique! On est, mesdames et messieurs, sur un BDF de 1080 euros sur ce bonus hunt. Magnifique! Merci encore, les amis, d'avoir regardé cette vidéo bonus hunt. J'ai encore de la chance, c'est encore du profit, c'est encore remboursé. Mais bon, vous savez très bien, le casino est toujours gagnant. Faites attention à votre argent, n'essayez pas de regagner vos pertes. Merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo bonus hunt. N'hésitez pas à checker, les amis, en description. Il y a plein d'argent à gagner, 25 euros à gagner par jour. Donc n'hésitez pas, premier lien. Et voilà. N'hésitez pas aussi à venir me voir en live sur DLive.tv/tapep. Vous ouvrez la description, c'est le petit cœur jaune. Tous les soirs, je fais des streams et je fais aussi des bonus hunt en live, etc. Ça change. Et aussi, n'hésitez pas à commenter votre prochaine machine à sous dans les commentaires pour les prochains missions. C'était VitaPP, faites attention à vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonus, ciao tout le monde et bye bye. VitaPVP, dans tous les cas c'est VitaPVP, dans tous les cas c'est VitaPVP.